Allô, allô? Super. Ça a toujours été mon rêve d'avoir un micro, merci. Hein. Ouais, là, ça va? Super. En tout cas, soyez les bienvenus et puis c'est avec grand plaisir qu'on m'a demandé de venir un petit peu participer au challenge avec comme ça des équipes super agréables, souriantes, performantes, toutes belles. Pour commencer les choses, je pense qu'il serait bien c'est qu'on fasse un briefing. Comme ça, on est tous sur les mêmes bases au niveau du mannequin. Alors, je pense que vous les connaissez, ces mannequins-là, non? Vous en avez déjà peut-être chez vous? C'est du Laerdal, hein, c'est du Rétusian, mais un petit peu amélioré. On est plutôt sur une version Simpad. Le Simpad, c'est juste pour vous dire qu'il y a une petite tablette. On va expliquer un petit peu les fonctionnalités de cette tablette et puis aussi ses possibilités. J'ai pour habitude de démarrer plutôt de la tête. Et puis on va aller je copier en citant un petit peu les dispositions et les possibilités de ce mannequin. Je vous invite à vous approcher avec moi, hein. Comme ça vous verrez. Alors au niveau de la tête, hein, la petite particularité de ce mannequin, c'est qu'il n'ouvrira pas les yeux, hein, on est sur du moyenne fidélité. Donc n'hésitez pas si vous voulez regarder un petit peu ses pupilles, faire un examen approfondi, pupille réactive, symétrique, asymétrique, enfin tout ce que vous faites déjà dans la vraie vie. Vous ouvrez les paupières, puis hop, vous regardez, et puis forcément. S'il y a des pupilles différentes, c'est qu'on les a mis à la base et puis voilà, vous prenez en charge. Il a la possibilité de parler. Alors il y a un système de petits micros. Moi je vous entends, je parle au travers de la tablette et puis s'il vous parle, il vous parle, il respire et respire. Au niveau des voies aériennes supérieures, on peut lui mettre une sonde nasogastrique si on avait besoin, hein. Par exemple sur le tube laryngé, mais on la passerait dans le tube laryngé de toute façon, la sonde nasogastrique. Donc là je pense qu'aujourd'hui on ne va pas s'en servir dans ce contexte un petit peu d'urgence préhospitalière. Au niveau des voies aériennes supérieures, donc il y a possibilité de ventiler ben, au bahut, hein, à la ventilation classique. On peut aussi très bien intuber ce mannequin, mais là on n'ira pas jusque-là, puisqu'on ne sera pas en équipe médicalisée. Par contre, on peut mettre des dispositifs supraglottiques. Je pense que vous en avez dans vos sacs, comme nous. On a du tube laryngé, c'est la même chose. iGel. Ah, donc on est sur du masque laryngé. Nous, on est sur du tube. Alors, on peut en discuter après un petit peu, si vous voulez, justement, de la différence et puis les avantages et les inconvénients de l'un à l'autre. iGel, c'est le must du masque laryngé, hein. Moi, je l'utilise régulièrement à l'hôpital. Donc voilà pour la gestion des voies aériennes. Hein. Il peut aussi être ventilé par un respirateur si on avait possibilité, mais là on va peut-être pas aller jusque-là. Au niveau de la perception des pouls, donc ici on peut sentir les pouls carotidiens bilatéraux. Je vous invite à regarder. Hein. Hop, vous pouvez palper, hein, il n'y a pas de souci, vous pouvez toucher. Alors, on va se mettre sur du ici, je vais le démarrer et puis ça va fonctionner. Voilà. Juste 2 petites minutes. Voilà. Là, vas-y. Tu sens? Ok, bilatéraux, il n'y a pas de souci. Et ça s'adapte un petit peu à la physiologie normale d'une vraie victime. C'est-à-dire que si j'ai une tension en dessous de 4, hein, 42 systoliques, forcément, j'aurais plus de pouls carotidiens. Le pouls radial, vous l'avez qu'à gauche, donc ça, je préfère le dire tout de suite. Alors, c'est un mannequin, hein, ça reste quand même un capteur auquel on pose la main, il faut un petit peu un temps de réponse. Donc voilà. Les pouls fémoraux, sur celui-là, on ne les a pas, ni les pouls pédieux. Voilà. Tu l'as? Ouais. N'hésitez pas à me poser des questions si vous avez besoin. Oui. Exactement. Il n'y a pas de souci. Tout ce que vous n'avez pas comme données sur la victime, alors je ne sais pas. Vous allez peut-être faire des examens paracliniques. Bah, effectivement, là, on est un peu sur la limite même de la simulation de moyenne fidélité. C'est-à-dire que si vous me demandez un temps de recoloration cutanée, si on était dans une prise en charge d'hémorragie, ben, il ne va pas pouvoir vous la donner, hein, en réalité. Vous avez besoin d'une glycémie capillaire, je peux vous la donner en off, hein, j'ai déjà tout préparé. Une HbCO, ça serait pareil, un taux de monoxyde de carbone, enfin, on peut vraiment aller loin, il n'y a pas de souci, je peux vous donner des indications. On peut brancher aussi, mais là on ne le fera pas, un capnographe, hein, sur le LP15. Donc il n'y a pas de souci, même sur votre masque laryngé, vous pouvez le faire et c'est possible. Au niveau de la ventilation, bah, il y a le soulèvement des champs pulmonaires, vous voyez. Vous pouvez mettre les mains, hein, il n'y a pas de problème, hein, pas de souci. Aujourd'hui, on ne va pas le faire non plus, mais on peut faire de l'auscultation pulmonaire un peu plus fine sur ce type de mannequin avec des murmures vésiculaires et des bruits pulmonaires particuliers dans certaines pathologies. Voilà.
Sur celui-là, on ne peut pas poser l'intraosseuse en direct. Par contre, j'ai un faux os, je peux le scotcher si jamais on veut s'entraîner un peu à la traosseuse, il n'y a pas de souci. Je peux très bien vous mettre un tibia et sans problème. On peut le masser. Effectivement, ça c'est la très bonne question à me poser. Non seulement on peut le masser, et en plus il y a les critères de performance sur la CPR, donc le massage cardiaque. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on sait à quelle profondeur vous massez, on sait à quelle fréquence, et surtout les temps d'arrêt sur le massage. La ventilation, on le voit aussi avec le volume qui passe. Voilà. Comme ça, ça permet un peu d'avoir des petits éléments, des indicateurs de performance. Voilà. On est venu pour jouer, mais pour être performant, c'est ça. Donc voilà, on va jouer un peu comme ça, dans la bonne humeur et la joie. Donc voilà. Que vous dire d'autre? Le mannequin, ben, forcément, il peut faire des cris. Alors je vais vous faire écouter un petit peu. Mais là, hop. Ça sera assez réducteur, mais en tout cas, moi, je peux parler au travers du mannequin dans le casque. À ce moment-là, on peut avoir une vraie conversation si on part sur une prise en charge d'une douleur thoracique, par exemple. Avez-vous des questions, messieurs? Donc la température, vous me la demandez, si vous en avez besoin. Sur celui-là, on ne pourra pas la prendre, de toute façon. Des questions? Le scénario, ça va être simple. On a trois groupes, c'est ça, Nicolas? Là, je pars sous ton contrôle. Nicolas, ouais. Alors, on a bien trois groupes. Alors on va essayer de faire quelque chose de logique, je ne vais pas vous faire découvrir tout de suite le scénario parce que sinon ça n'aurait plus d'intérêt, les collègues ne le savent pas, hein. Moi j'ai préparé ça dans mon coin, on n'est pas de la même région. En tout cas on va travailler, oui on peut, oui. Alors sur celui-là, tu as raison, on n'a pas un bras de perfusion très performant, donc peut-être mettre un caté en place avec une perfusion scotchée, je pense qu'on est d'accord, on est tous d'accord, on ne pique pas, on fait comme ça. En tout cas, on fait la gestuelle, on percute, on pose. Et puis, les thérapeutiques, pareil, hein, si vous les avez, si vous voulez passer, vous dites ce que vous passez. Voilà, on en discute. Ce qui est important, c'est que moi, en tant qu'observateur, j'ai besoin de savoir un peu ce que vous faites, surtout peut-être au niveau des thérapeutiques ou en tout cas des dispositifs que vous allez mettre. Donc, ça veut dire juste quelques fois, soit je pose la question, soit vous le dites tout haut. Et puis, ça permet comme ça d'avoir un peu la prise en charge. On va se mettre d'accord surtout aussi sur peut-être le bilan ou l'alerte, peut-être pour uniformiser sur les trois groupes oui. Les choses. Bah, l'alerte, je pense qu'on va la déclencher classiquement. Vous êtes stationné fond de hall et puis on vous appelle, on appellera les équipes. Hein, voilà. Et puis sur le bilan, vous le passerez vocalement à l'observateur, ça vous convient? On fait comme ça? Ça va pour tout le monde? D'autres questions? Alors, le cas concret, il faut quand même être équitable hein, pour les trois groupes. Donc forcément, on va partir sur des situations qui vont se décliner, mais qui sont similaires. Voilà, il n'y a pas de... C'est comme dans la vraie vie, quoi. Ça vous va? Ouais, mais on essaiera d'être équitable, qu'on ne va pas faire une chute. Si vous le voyez tomber dans l'eau, c'est qu'on s'est trompé. Et l'hypoglycémie sur les autres, d'accord. Donc ça va être une situation ressemblante pour les trois groupes. Ça va? Allez, alors sur les trois groupes. Alors déjà, je vais vous remercier de jouer le jeu. On a deux équipes suisses composées de Yves et Thierry qui sont en jaune. Voilà, c'est ça, Yves et Thierry, merci. Une autre équipe, merci pour eux. Une autre équipe suisse composée de Jean-Luc et Michel, à ma droite. Et une équipe française, ils sont là-bas, composée de Jean-Louis, René et Franck. Voilà. Eh bien, on va commencer par Jean-Luc et Michel. Allez, hop, c'est au hasard. Vous étiez au milieu de ma... Eh bien oui, c'est tombé sur vous, c'est pas de bol. Enfin, c'est pas de bol, vous verrez bien. Prenez votre scope quand même. René Jean-Louis, tu peux me rapporter le
la connectique du LP15 formation pour le DSA pour que je leur montre la défibrillation. Merci. S'asseoir à côté. On va le commenter un petit peu leur carte. Tiens, celui-là c'est le mien. Et oui, je fais des nœuds en fait. Un, deux. Ouais. Merci. Même si tu, normalement c'est la rouge à droite, hein. Mais même si tu te trompes, il n'y a aucun souci, c'est un interférent. Ouais. Il part sur quoi ? Eh bien écoute, on va leur trouver ça. Et toi, ils vont me poser la question. Ouais, s'ils te posent la question, ouais. Bah, le problème d'effecteur. Elle est dépressive. Elle est dépressive. Mais il faut qu'ils me posent la question. Il n'y a pas eu de réa faite par toi. Je ne sais pas faire de massage cardiaque. C'est ça. Et donc, ça fait 30 minutes. Elle, c'est ça. Elle était dans la cuisine. Non, je ne vais pas être trop misogyne. Et d'accord, en gros, je vais retrouver là et je ne sais pas tout ce qui s'est passé. C'est ça. Je sais pas quoi. D'accord. Exactement. Très bien. Donc, tu leur donnes juste une numéro. Oui, d'accord. Jean-Luc, Michel, au secours. Ben, je suis un peu tout seul, oui, au secours. Ah ben, c'est pour ça, j'attends, j'ai fait le 15. Je me dis qu'ils... En fait, j'ai fait le 144, ça a rebasculé, et hop, ils arrivent. T'as vu, je suis super serein. Hein. Tranquille. Au secours. Bonjour. Vous êtes dans mon salon, c'est ma femme. Bonjour.
Nicolas, enchanté Michel. Eh ben, j'étais parti bricoler dans le garage il y a quoi, il y a une trentaine de minutes. Et puis je suis revenu et j'ai retrouvé ma femme comme ça et je ne sais pas quoi faire, j'ai rien fait. Non, il n'y a rien autour. Je ne sais pas si elle a chuté ou pas. Je suis arrivé, elle était allongée comme ça. Qu'est-ce que vous lui faites ? Non, il n'y a rien dans la bouche. Elle va bien ? Elle va bien ou pas ? Elle n'a pas l'air d'aller bien. Vous ne moquez pas, c'est pas drôle. C'est grave ou pas ? Et 4 et 5 et 6 et 7 et 8 et 9 et 10 et 11 et 12 et 13 et 14 et 15 et 17 et 18 et 19 et 20 et 21 et 22 et 23 et 24 et 25 et 26 et 27 et 28 et 29 et 30. Ventile. Ça passe, c'est votre question ? Voilà, tu cliques, tu arbitres sur dérivation là. 5 et 6. Tu vas sur palette. Ok, c'est bon. Là, on ne voit rien parce qu'il marche. On fait le premier cycle comme il faut. Et 18 et 19 et 20 et 21 et 22 et 23 et 24 et 25 et 26 et 27 et 28 et 29 et 30. Bon, Michel, ça passe, ouais. Je ne peux pas, je vois rien. Vous avez besoin que je fasse quelque chose pour vous ou pas ? Elle est déprimée, enfin elle est dépressive. Elle prend de l'Effexor. Elle prend de l'Effexor. Sinon, elle est en bonne santé normalement. D'accord, merci. Oui, oui, faites votre travail, bien sûr. Les boîtes d'Effexor, oui, je vais vous les donner. Ben elle a pris son traitement ce matin normalement. Pas plus que ça. Non, enfin je sais pas en fait pour être tout à fait franc, mais ça fait longtemps qu'elle en prend et ça se passe toujours bien. Hein. Non, elle a rien d'autre, elle a juste ça. Bah ben, avec les médicaments ça va mieux quoi, ouais, ça allait plutôt bien. Non, non, ah non pas du tout, elle se plaignait du froid, elle avait froid. Ouais, parce qu'elle a été dehors avec la neige et voilà, mais c'est tout. Elle a chuté ? Non. Vous étiez avec elle ? Non, en fait, moi j'étais dans le garage et quand je suis revenu, elle était allongée par terre. Elle n'était pas dans le garage avec vous ? Non, elle n'était pas dans le garage avec moi. Moi j'étais dans le garage et elle était dans le salon. Et quand je suis revenu, je l'ai trouvée comme ça et puis je vous ai appelé. Je suis parti une trentaine de minutes, pas plus, quoi, j'étais parti bricoler des trucs.
Non, je crois pas. Non, 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 elle prenait juste ses médicaments pour la dépression. En Suisse, vous n'avez pas trois mains. Vous n'avez pas trois mains en Suisse. Non. Ah bon. Ça va, je suis un peu inquiet pour être honnête. Après, comme vous avez l'air de faire des trucs, ça rassure un petit peu, mais je suis inquiet, quoi. Parce que ça fait longtemps que vous faites ça. C'est toujours pareil ou ça s'améliore? C'est quand même grave, non? Elle va mourir? Ouais, c'est pareil, quoi. C'est dur d'entendre quelqu'un qui souffle de base. Oui, il y en a. Comment? C'est dur de quantifier. Non, faut s'y faire. On va lui demander de la formation. C'est impressionnant. Prochain impressionnant. Adrénaline, 10 mg de l'hélice. Ok. Sur la cardio-réanimation, réanimation de pression. On a passé 1 mg d'adrénaline. Très bien. En flush. 1 mg, je note. Okay. 300 cordarone, donc là, il passe très bien parce qu'ils sont en zone verte. C'est propre quand même. Il y a très peu très propre. Il y a très peu d'arrêt de ventile. Et la ventile, elle passe nickel. Et elle passe nickel parce qu'ils ont un bon dispositif supraphiotique. Ah oui. Voilà. La différence qu'on remarque avec lui, c'est qu'ils font tout en manuel au niveau du défibrillateur. Ça, c'est intéressant. D'accord. Vous auriez mis un truc en... Il est automatisé toutes les deux minutes. Ah, et il parlerait alors? Il dirait? Oui, il réanalyse, on réappuie, et toutes les deux minutes, il se déclenche automatiquement. Là, ils sont obligés de le faire, du coup. Tu peux avoir un 3, 4, 5 minutes. Enfin, c'est rigolo. C'est vraiment quelqu'un qui doit être vigilant. C'est génial, quand même. Exceptionnel. Vous faites marrer maintenant? Vous marrez? D'accord. Oui, bah, oui, exactement. Oui. Monsieur, oui. D'accord. Ça, j'en fais quoi? Je me demanderais de regarder dans la poubelle s'il y avait des restes de médicaments. Il n'y a pas. Non, il n'y a rien, monsieur. J'ai regardé dans les poubelles de la salle de bain et tout ça. Oui, elle est où? Ah oui, là.
Ah, vous moquez pas de lui. Moi, je trouve que c'est très bien ce que vous faites pour ma femme. On donne tout, monsieur. Hein. Par contre, je te donne l'adresse quand même avant, peut-être. Michel. Hein, 20 grammes d'adresse. Elle est sur la liste, Michel. Ils ont mis 1 mg d'adresse. Je me suis coincé le doigt. C'est toujours une assise. Ok, on prépare le relevage. Ouais. Ils vont se reposer. Alors monsieur, ce qu'on va faire maintenant, on va préparer le relevage, on va aller à l'hôpital pour continuer le traitement d'accord. De votre patient, de votre épouse. De votre... D'accord. Mais elle est vivante encore ? Hein ? Pour l'instant, son cœur ne bat pas. Vous attendez le médecin, c'est ça ? Hein, dans la vraie vie chez vous, hein. Oui, comme ça. Oui, vas-y, oui. Donc on estime que là, moi, j'arrive et... Alors on va... Le médecin se présente, hein, je vais jouer le rôle. Je suis un très mauvais docteur, moi. Voilà, alors juste des transmissions à l'équipe médicale. Donc, on va peut-être te donner un micro, comme ça tout le monde pourra entendre un petit peu les transmissions du collègue. Si ça ne te dérange pas trop de discuter, s'il te plaît. Voilà, merci. Ok, alors on a. Oui, bonjour. Tu reviens à la ventile ? Bouge pas. Ouais, c'est bien, continuez, hein. Arrêtez pas parce que je suis là, super. Ok, quand on est arrivé, on a trouvé une personne inconsciente. Oui. En asystolie au départ, oui. On a commencé à la masser, à la ventiler. Oui. On a récupéré une fibrillation ventriculaire. Oui. Elle a reçu deux chocs. On lui a donné 2 mg d'adrénaline. On a la cordarone qui est prête. D'accord. Il y a un IGL qui est posé. On a une capno qui est bonne. À combien ? À 25. D'accord. Tu avais la capno à 25 au départ ou c'est juste après quand tu as commencé à réanimer ? D'une fois qu'on a pu poser le... D'accord. Le détecteur. Tu m'as dit 47 ans. Elle a des antécédents cardiaques ? Non ? Aucune idée. Antécédents médicaux ? Non, alors non. D'accord. Et puis elle prend de l'Effexor comme médicament. Ok. Vous avez retrouvé d'autres médicaments qu'elle aurait pu prendre ? De l'alcool ? Des toxiques ? Tu as retrouvé quelque chose ? Non. Okay. Son mari a été voir... Très bien. Il y avait des tablettes utilisées, il n'y en a pas. Très bien. Écoute, on va continuer de médicaliser cette victime. Hein, et puis, on va voir. Et sinon, on essaiera de l'évacuer sur le centre hospitalier. Okay. Avec une planche amassée. Puis, on essaiera d'aller faire une coronarographie de sauvetage. On ira. Ça marche ? Pas de souci. On a commencé à préparer le relevage. Très bien. Tu veux reprendre la ventilation ? On fait le reste ? Oui. Ok, on va intuber. Vous avez de quoi ? Non ? Si. Oui. Bon, écoute, on va se mettre pour l'intubation et puis... On continue ça ? Merci. Pas de souci. On dit stop à la simulation. On dit un grand merci aux collègues. C'est physique. Hein. Merci à eux. Merci beaucoup. T'es brillant. Franchement, très bien. Merci, merci. Ça a été ? Ouais. Ouais, y a de la neige, mais il fait chaud. Très bien. Ça va ? Il y avait des questions ? Yeah.
Oui, parce oui. Mais en plus, vous étiez les premiers, ouais, c'est voilà. plus compliqué de passer en premier. Voilà. Oui, ouais, c'est normal. C'est normal. Ça ne s'est pas vu, en tout cas. Non, ça ne s'est pas vu. Je vous le dis tout de suite, la prochaine équipe, elle est un peu plus française. On laisse quelques minutes pour que reconditionner un peu tout ça et puis on va recommencer avec une autre équipe. Donc, alors j'ai pas vos prénoms, je les ai oubliés. Franck, j'en suis sûr. Donc ce sera Jean-Louis, René et Franck, une équipe de l'ANISP, l'Association nationale des infirmiers de sapeurs-pompiers, sachant qu'ils sont donc tous infirmiers, tous sapeurs-pompiers volontaires. Peut-être des professionnels, je ne sais pas par cœur, et certains travaillent également au SAMU. Ça, je sais faire ça, je suis hyper balèze. J'ai l'air con. Qu'est-ce qu'il y a le gilet ? Merci. Bon, bah voilà, il y a une surprise. Non, c'est pas moi qui fais ça. C'est pas moi, hein. Essayer de ne pas me blesser. C'est bon ? Je viens de faire le 18, au secours. Départ infirmier, sapeur-pompier, allez. Vite, c'est une intervention. Non, vous arrivez plus vite que d'habitude. Tombez pas dessus quand même, qu'est-ce qui se passe ? J'étais. Monsieur, vous m'entendez ? Oui, je vous entends. Ouais, je vous entends bien. Vous voulez que je vous serre la main ? Non, pas moi. Ah bon. Moi, j'appuie là ? Mais il faut appuyer ou pas ? Il est tombé ? Non, en fait, je passais dans la rue là et il a pris un coup de ciseau. Il y a des mecs complètement fous qui ont débarqué, qui lui ont foutu un coup de ciseau dans la cuisse, et je me rappelle, j'avais fait mon PSC1 à la Croix-Rouge, et il m'avait dit qu'il fallait appuyer quand il y avait du sang qui coulait. Faut que j'enlève ma main, là ? Non, deux secondes. Je laisse ma main ? Arrêt cardio-respiratoire. J'enlève ma main. Hein. Je le connais pas, moi, ce monsieur. Je l'ai jamais vu de ma vie.
Non. Je peux m'en aller ou pas? Je reste là, oui. Oui, donc le sapeur-pompier... C'est quoi ton prénom ? René. Donc René vient de demander des renforts, équipe médicalisée, c'est ça, hein, René ? Équipe médicalisée. Et moi, je reste là ou je peux m'en aller ? Parce qu'en fait, j'ai des courses à faire. Je vais aller acheter des billets. Non, je reste là. Je vais acheter des bières, moi, en fait. Mais bon... Mais je suis pas suspect, moi, j'ai rien fait. Non, je ne sais pas, je ne la connais pas, mais là, à vue de nez, elle a 17-18 ans, quoi. Il est pas vieux, ce mec. Ouais, j'ai déjà... Allez, vous allez venir derrière moi, vous allez avoir les bras tendus, ouais. Et vous allez comprimer à la vitesse que je comprime. D'accord ? Vous êtes prêts ? Ouais. On se dépêche. Hein. Allez, allez-y. C'est pareil que vous. Ouais, ouais. Mettez-vous contre, les bras tendus, et vous appuyez fort. Okay. Comme ça ? Parfait. Et je fais ça combien de fois ? Vous faites en continu. Ouais, comptez, monsieur, comptez tout. 2, 3, 4, 5. C'est à 4 à la montre. Donc là, ils viennent de passer un milligramme d'adrénaline. Bon, là, on a Franck qui a fait masser le témoin, hein, quelquefois. C'est original. Analyse en cours, reculez-vous. Choc non conseillé. Commencez la RCP. Ouais. Allez, Nicolas. C'est intéressant parce qu'on dit souvent qu'au bout de 2 minutes, quelqu'un même de très entraîné à la réanimation cardio-pulmonaire devient moins efficace. Je ne sais pas si vous le considérez aussi comme ça. Donc l'importance des relais. Il y a eu un saignement important, 1 litre 5 à 2 litres à terre. Donc là, tu es en train de faire un remplissage, c'est ça ? Bougez plus, s'il vous plaît, sinon si vous me dépliquez la voix, on va pas être copains. C'est positionnel. Tu fais un remplissage ? Là, je peux passer, hein. Non, c'est bon, monsieur, on prend le relais. Un soluté de remplissage, du SSI, c'est ce qu'on utilise chez nous. Appuyez sur analyse. Analyse en cours,
Reculez-vous. Choc non conseillé. Commencez l'ARCP. Alors je ne sais pas, un petit peu pour nos compagnons suisses. En France, on dit qu'un délai, un délai d'intervention SAMU, c'est entre 7 et 14 minutes en fonction d'où on habite. C'est-à-dire qu'il y a des endroits, c'est 30 ou 40 minutes quand on est isolé. Puis il y a des endroits, bah, c'est 2-3 minutes. Donc voilà, ça dépend. Donc quelquefois, quand on est comme ça dans une prise en charge paramédicalisée ou secouriste, hein, bah, on est 10 minutes à un quart d'heure sans équipe médicale. 500 passés. 500 passés. Très bien. Oui. Donc là, ils nous ont proposé aussi ce qu'on appelle chez nous un protocole hémorragie, un protocole hypovolémie, qui se passe par du remplissage au sérum physiologique, 500 ml à fond, pour essayer de restaurer la volémie, hein, parce que la masse sanguine est potentiellement sur le trottoir. Un phénomène de désamorçage, en fait, dans cette problématique. Arrêt sur désamorçage. Analyse en cours, reculez-vous. Choc conseillé. Reculez-vous, appuyez sur choc. Commencez l'ARCP. Alors peut-être juste ce qu'on peut comparer, c'est qu'ici on est sur une configuration du LP15. En automatique, hein, toutes les 2 minutes, avec une analyse. On n'est pas sur une configuration manuelle. Bien sûr, il faut appuyer sur le bouton quand même quand il vous le demande. Mais c'est toutes les 2 minutes. On va laisser exactement le même temps de jeu pour tout le monde, comme ça au moins on part sur les mêmes bases. L'Athènes Capneau à 29. Monsieur est trop bon. Il a 17 ans. Je peux pas être. Ah, j'estimais quoi. Jean-Louis, c'est la génération Staying Alive. La chanson des Bee Gees, c'est ça ? Analyse en cours, reculez-vous. Choc conseillé. Donc là, on est au deuxième. Attention, je choque. Reculez-vous. Choqué, 12. Commencez l'ARCP. Oui. Alors là, René propose un deuxième passage d'un 500 ml de sérum salé, ce qui fait un total de 1 litre. Le SAMU ? Oui, bonjour.
Bonjour, le Vélib Paris, donc sur l'intervention sur la voie publique. Donc, je suis en face d'un monsieur de 20 ans environ agressé dans la rue. Présente une lésion unique, une plaie grave avec présence d'une perce iso qui reste plantée dans la cuisse. Oui. La victime a présenté une hémorragie très importante avant notre arrivée, pris en charge par un témoin qui faisait une compression non efficace. À l'arrivée, la personne était en arrêt cardio-respiratoire. Oui. On a mis en place tout de suite le garrot sur cette lésion. Mise en place le protocole arrêt cardio-respiratoire. Oui. Actuellement, on en est à 3 injections d'adrénaline. Oui. Et on est là depuis quelques minutes à 2 chocs. D'accord, d'accord. On a mis en place également le protocole hypovolie traumatique où je suis arrivé à bout. Hein. Je suis à 2 fois 500 ml de sérum salé isotonique. Okay. Donc, je demande l'autorisation de poursuivre ce protocole éventuellement de remplissage. Oui. Et éventuellement, on a à disposition de l'exacil. Mais on n'est pas protocolé pour le faire, alors je demande l'autorisation éventuellement de faire 1 gramme d'exacil. Bah, vous pouvez faire 1 gramme d'exacil, et puis vous avez de la gélofusine pour remplir un peu ? On n'a pas de gélatine pour l'instant. Non, bah, non. Du 500 alors. Voilà, on continue de saler, d'accord. Très bien. Donc, et puis actuellement, j'ai l'équipe arrive, ils sont au bout de la rue là. Très bien, je n'ai pas de récupération d'activité cardiaque, j'ai une TSO2 à 29 sur un tube laryngé. 29, ok. Il y a une période de no flow estimée à combien ? Difficile à dire, quelques minutes, mais je... D'accord. Pas de... Ok, rien merci, vous pouvez raccrocher. Je vous en prie, au revoir. Donc là, tu injectes, René ? Alors, là, je vais faire de la cordarone, hein, 300 mg de cordarone, puisqu'on a 3 chocs consécutifs dans notre protocole arrêt cardio-respiratoire. Donc là, 300 mg de cordarone. Okay. Oui, bonjour, Patrick Goldstein du SAMU. Bonjour, docteur. Bonjour. On représente une victime de sexe masculin, environ 20 ans, retrouvée sur la voie publique par un témoin avec une agression. Un ciseau planté dans la cuisse qui a présenté une hémorragie très importante qui a provoqué un arrêt cardio-respiratoire. Donc, à notre arrivée, prise en charge de l'arrêt, donc suivant notre protocole infirmier. Ce patient a reçu actuellement 2-3 mg. Non, non, en adré. 2 mg d'adrénaline, 300 ouais. mg de cordone, puisqu'on a eu 3 chocs consécutifs. 3 chocs consécutifs. Voilà. Il a reçu, dans le cadre du protocole hypovolémie traumatique, dans le cadre de l'hémorragie, 2 sérums salés isotoniques, 500 ml. Suite au bilan que j'avais passé, on a continué le remplissage au salé. On était en train de préparer 1 gramme d'exacil. Je n'ai pas de récupération d'activité cardiaque pour le moment. J'ai une TSO2 à 29 sur tube laryngé. Il a une voix. Il a été garrotté d'emblée à 17h05. Arrête un coup là, arrête. Arrête un coup de massé. On a récupéré un rythme là, je crois. Non. Non ? Il y a quelque chose ? J'ai pas de pouls. Ok. Donc il n'y a pas de pouls, mais tu as un tracé. D'accord. Donc on continue le massage. Ouais. Stop stimulation. Merci à eux aussi. Hein. Merci, bravo. Ils ont aussi donné leur personne. Alors n'hésitez pas, je me tiens à votre disposition, après on peut même discuter un petit peu, voilà, pourquoi on fait comme ça, ou voilà, ou les différences, ou les erreurs, ou peu importe. On n'est pas là pour ça aujourd'hui, mais pour échanger et puis partager. Hein, vous n'hésiterez pas à me dire ou m'interpeller sur les prises en charge que vous avez trouvées peut-être un peu différentes, mais pas tant que ça en fait. Merci à vous aussi. On va ranger le matériel, on va réapproprier tout ça. Préparation pour la troisième équipe hein, qui se met dans les bacs. Donc la troisième, c'est Yves et Thierry. Yves, Thierry, vous serez trois également ? D'accord, très bien. Merci. En fait, franchement, vous êtes démerdés. Vous êtes excités autour, mais moi, ce mec, j'en ai rien à faire. Dans mon jeu.
pensé, je dis si je leur fais un truc qui saigne, il faut que je leur mette 10 euros. Bah quand même, ouais. Moi, je serais démerdé. Bah oui, je me doute. Donc la troisième équipe, c'est Yves et Thierry, qui sont assistés de Michel, c'est ça, hein ? Parfait. Qui est une équipe moins française, plus suisse. Ouais, je vais leur dire. J'ai appelé le 144 au secours. Bonjour monsieur. Oui, je vous ai appelé, c'est pour ma femme. Alors, bah, elle va vous expliquer, hein, elle parle, hein, y a pas de problème. Voilà. Bonjour madame, je m'appelle Thierry, je suis ambulancier avec mes collègues. Qu'est-ce qui vous arrive ? Vous avez mal dans la poitrine. Depuis combien de temps ? D'accord, je vais faire 2-3 contrôles, hein, madame. Ouvrez grand la bouche. Ok, voie aérienne libre et dégagée. Vous arrivez à tirer la langue ? Pas de notier, pas de prothèse. Je lâche la tête. Vous tenez sa tête ? D'accord. Ouais, madame, vous avez... C'est bien comme ça devant les hommes ? Est-ce que vous avez des problèmes cardiaques habituellement, madame ? J'ai déjà eu un stent. Vous avez des stents, d'accord. Et puis cette douleur, elle a... Votre douleur, elle est apparue comment, madame ? Vous faisiez un effort, vous étiez tranquille au repos ? Madame ? Je me sens pas bien. D'accord, on la couche ? Je vais vomir. Alors, attendez, je vais vomir. On la couche, on la met sur le côté. Qu'est-ce que vous lui faites ? Qu'est-ce qu'elle a ? J'ai rempli les coordonnées, monsieur. Ça, je l'ai pas dans la main, ça. Qu'est-ce qu'elle a ? Ça va, ma chérie ? Non, je vais mourir. Mais non, tu vas pas mourir, il n'y a pas de raison. Oui.
Qu'est-ce qu'elle a? C'est grave ce qu'elle a ? Ils appellent une médicalisation, Jérémy. Pour une personne en arrêt cardiaque. Vous avez le médecin au téléphone ? Alors, c'est un arrêt cardiaque chez une dame d'une... Vous m'avez dit quel âge, monsieur ? 47 ans, qui s'est plaint de douleurs thoraciques avant notre arrivée. À notre arrivée, elle était consciente, mais des douleurs persistantes. Pendant la prise en charge, perte de connaissance, on est en réanimation actuellement. Souffle. Affirmatif, oui, on va le mettre, on va le brancher. Débrouille-toi. Hein. C'est grave ? Ça a l'air grave, vu comment vous vous agitez. C'est une housse mortuaire, elle est morte ? Faut que j'appelle les médecins. Qu'est-ce qu'elle a ? On dirait que vous faites le massage cardiaque. Mais elle n'est pas cardiaque, ma femme. Elle n'a jamais eu ça. Elle a juste eu... Ah oui, mais ça, c'est son opération. C'est pas pareil. Elle est diabétique aussi, surtout. Ouais. Mais elle fait ses piqûres normalement. Oui. Comme ça ? Mais son cœur, il s'est arrêté alors ? Tout seul ? C'est qu'elle est morte ? Et est-ce que vous faites, ça a une chance de... D'accord. C'est pour l'aider ? Et vous allez faire ça combien de temps ? Vous allez l'aider combien de temps, son cœur ? Oui, ça je vois, oui. D'accord. D'accord. Ok. Thank you.
me chercher les médicaments qu'elle prend habituellement, les mettre dans un petit cornet et puis les amener. Ça, je le pose. Vous pouvez le poser là par terre. Là, sur la table. On va le, ouais, on va le clouper, on le ferme. Je vais chercher les médicaments. Qu'est-ce que c'est là comme médicament ? Un stylo d'insuline. Ouais. Et puis un bêta-bloquant. Un bêta-bloquant. Comme médicament, j'ai trouvé ça. C'est un stylo d'insuline et puis elle prend des bêta-bloquants aussi. Des bêta-bloquants aussi. Oui. D'accord. Son traitement, ce matin, elle l'a fait. Vous l'avez vu faire son injection ? Oui, elle le fait tous les. Elle le fait normalement. Elle n'oublie jamais. Et puis même quand elle oublie, voilà. Elle n'a pas mangé. Ouais, ouais, on n'a pas mangé. Par contre, elle avait un peu mal au ventre. Elle disait qu'elle voulait vomir. Ça, je le reprends. Oui. Ça aide là ce que je fais ? Là, vous nous redisez bien cette discussion, c'est très gentil. Ça n'a pas l'air grand chose par rapport à ce que vous faites vous. Analyse, supplication, je charge, je masse. Michel, dès que nos poules sont prêtes, on peut la passer. Je charge, j'ai prêt, on se recule, je choque, choque. Le médecin il met pas mal de temps à venir chez nous parce qu'on est un peu isolé puis il y a de la neige. Ouais. Et c'est pas pratique pour les médecins. Au moins vous êtes arrivé rapidement quoi. Ok, j'ai 8 grammes dessus. Ouais. On passe les 16 et après on fait le 16. Mieux. Ça, elle va un peu mieux. Tu regardes mieux sur ton rat. Oui, je vous ai donné le papier avec les coordonnées notées. Super. Là. Il y a toujours un. Ok. Glycémie. Normal. Elle est remontée. C'est-à-dire normal. Moi, c'est 1 gramme. Alors, millimol. En millimol litre. On est à 5 millimol litre. Ouais, ça peut jouer pour toi. Ok. 5 millimol. Thierry. Tu as ah bon okay. D'accord. Tu parles de relevage, c'est faux. Non. D'accord. Si, si, un point. Non, je sens pas de coup. C'est ça que tu dis ? Ouais, je sens pas de coup. Il n'y a pas de coup ? Tu veux ramener un coup ou pas ? Il y a un coup, hein. Reprenez-le, mais. Tu l'as mis là ? Il y a un coup ? Ça nous arrange bien, puis je l'entends qui parle. Elle se relève toute seule. On fait l'arrivée du médecin ? Oui, bonjour. Salut. Bonjour, salut. Alors, on a madame, 47 ans, oui. Victime de DRS à notre arrivée consciente, qui a fait un épisode de vomissement. Ensuite, elle est partie inconsciente en fibrillation ventriculaire. Oui. Patiente diabétique qui s'est traitée ce matin à l'insuline, mais n'a pas mangé. Oui. À la GT, nous avions l'eau. On l'a sucrée à 16 grammes de sucre oui. IV. Elle a reçu 2 mg d'adrénaline,
il y a eu deux chocs délivrés. Et d'accord. Puis là, on a une reprise de pouls. Et pour l'instant, pas de respiration. D'accord. Donc, une reprise d'activité cardiaque spontanée sans respi, c'est ça? Sans respiration. D'accord, OK. Pour l'instant, en tout cas, elle ne lutte pas contre le tube. On peut la ventiler tranquillement. OK, super. Mais écoute, on va l'intuber, on va la médicaliser, puis on va l'emmener, on va la relever. T'as ce qu'il faut? Ah, super. On prévoit le relevage. Alors. Merci. Il y a votre pote qui se barre avec le surf. Ah, ok. Mais il fait du surf avec de la neige. Ah ouais, mais d'accord, parce que moi le surf c'était plutôt la mer, quoi. Ah, ok. Donc là, vous l'emmenez quand même à l'hôpital, j'imagine. Ouais. Super. D'accord. C'est bête, vous seriez arrivé 2 heures avant, elle marchait. Là, les collègues ont fait un relevage. Vous faites le relevage à 3 habituellement, ouais. 2, d'accord. Avec la cuillère. En fait, si vous venez bosser en France, on va doubler l'efficacité des services de secours. Non, je plaisante là-bas au fond. Hein. Je plaisante. En même temps, s'ils étaient tous bâtis comme vous, ça serait plus efficace aussi. Ah là. Je tiens toujours le machin là ? Ça, comment ? À 45. Super, merci messieurs. On va stopper la simulation là. On l'a fait même perdurer jusqu'au relevage et brancardage. Merci beaucoup. Je pense qu'on peut les applaudir. Merci à vous. De belles choses.
On va délibérer un petit peu, on va vous mettre un peu de musique en attendant. Enfin, sauf si la salle se... Ok, ça c'est pas nous ça. Bienvenue en France. L'indicateur de performance sur la RCP, c'était clairement eux qui étaient. Il n'y avait pas d'interruption, on était vraiment. En plus, ils ne travaillent pas ensemble, les trois premiers. C'est ça qui m'a interpellé, moi. Oh, bah c'est génial ça! Belle histoire en plus! Clairement, le massage était différent. Voilà. À un moment donné, on avait même un masseur sur le côté. Voilà. On n'était même pas près de la victime à cause d'un sac. Mais par contre, de stopper l'hémorragie avant tout le reste, voilà. Avant même d'évaluer le patient, c'était la priorité. C'était tout à fait. Et puis sur la dernière mission, on a moins eu de rotation au niveau du massage. Il y a moins de rotation au niveau du massage, je sais pas. C'est moi au début qui leur ai demandé de brancher le DSA, mais bon, je ne pouvais pas les mettre. Et après, il doit y avoir 4 ou 5 minutes où ils ont pu du tout checker leur spot. Oui. Ils n'ont pas dégagé de choc. Par contre, un bon relevage. Un bon relevage. Et on a été jusque-là, alors on ne va pas l'évaluer le relevage, parce que les autres, on ne l'aura pas fait. Pour être objectif, dès la reconnaissance de la conscience, ils auraient dû patcher, parce que c'est la priorité à la défibrillation précoce. Donc, ils auraient d'abord dû patcher, analyser tout de suite, peut-être faire 5 sur la troisième. Ouais. Ça, c'est vraiment pour être objectif. Voilà. Joueur, mais ils ont eu une dame qui parlait, les autres pas d'emblée. Enfin voilà, c'est un peu plus. Ils ont eu les autres à la décharge, à la décharge du troisième groupe. Ils ont eu une situation qui évoluait. Voilà. Mais en tout cas, c'est trois belles choses. Trois belles choses. Moi, je trouve que la plus belle observée pour moi, c'était la première. Oui, on est d'accord. Moi, perso, je respecte. Moi, j'ai commencé à dire, deux choses. Soit on fait la première équipe suisse et les deux en ex-aequo. Ouais. Ou alors, on met les deux en ex-aequo, mais j'aurais plutôt tendance à dire les premiers. C'est un challenge, les gens sont venus jouer, je pense qu'ils vont pas mal le prendre. Exactement. C'est à moi, tu peux me le laisser. Je te remercie beaucoup. Hein. Ouais. C'est ça. Voilà. Le massage était moins bon, par contre, ils ont été excellents sur l'hémorragie. Là, il n'y avait pas le défibrillateur, par contre, ils ont été excellents sur le relevage et la situation de la reprise d'activité cardiaque. Bah voilà, ça se vaut quoi. Mais on est d'accord, je pense. Hein. C'est comme ça. Les équipes, je vous laisse l'expliquer et à ce moment-là, vous l'expliquez tous les deux. On l'annonce publiquement ou on les fait venir? Tiens, veux. Mais je ne sais pas si on peut stopper ce machin, qu'est-ce que je te dise. J'aimerais bien qu'on puisse le stopper. Regardez, on va faire comme ça, on va se rapprocher un peu. Ça t'embête pour ta lumière ou pas, toi? Ça t'embête si je me rapproche pour éviter d'être dans le souffle? Ouais.
Et voilà. Allez, les équipes qui consciencieusement remontent leur matériel. D'abord, merci d'avoir participé, premièrement. Un très grand merci. Merci à la fois à ceux qui ont joué et à ceux qui ont préparé le jeu. En particulier... Pourquoi j'ai pris un coup de jus là dans ton micro ? Bon, c'est pas grave. En particulier Jérémy pour la préparation. Je vais vous annoncer les résultats et ensuite on va vous les expliquer. Alors, clairement, gros coup de cœur pour la première équipe qui arrive première. Voilà, félicitations, super. Ça a été regardé d'un œil, de deux yeux professionnels de Damien et Jérémy, et puis d'un œil profane le mien, mais rien à dire. Et ensuite, tellement compliqué de départager les deux autres que vous êtes nommé deuxième ex aequo. Voilà, bravo, vraiment bravo. Je vais laisser qui veut commenter la première, donc les meilleurs. Bah déjà, bravo à tous, hein, parce que c'est un exercice toujours difficile de se mettre en jeu. Mais bon, on y prend du plaisir, on était là pour jouer, et puis c'était très très sympathique. La première, que dire, une RCP de qualité, avec les indicateurs voilà, au plafond, quoi, très peu d'interruptions, un relais très timé, de très belles choses, franchement, en réanimation cardio-pulmonaire, et une gestion de l'équipe vraiment... très organisé, quoi. On a vu vraiment l'organisation, mais de toute façon sur l'ensemble des prestations, comme c'était tellement différent, on a vu des choses exceptionnelles, quoi. Merci. Donc vraiment, vraiment un coup de cœur. En plus, il y a une belle petite histoire quand même derrière. Hein. C'est, je sais pas quelle est votre profession première. Je suis même pas sûr que ce soit, je sais pas. Vous voulez peut-être nous en parler. Alors peut-être ce qui est important d'expliquer, c'est que. Tout part de la dame blonde là-bas, oui. Qui a trouvé une bonne idée de nous inscrire à ce challenge. On nous a envoyé un mail et puis bon, on a répondu par la positive parce qu'on est joueurs. Alors, je vais passer le micro après. On n'a pas répondu par la positive, on nous a dit tu es inscrit. Ce qui est assez intéressant, c'est que les quatre Helvètes qui ont passé là, c'est connu en formation en 2002. On n'a plus retravaillé ensemble depuis probablement 2004. Et puis c'était l'occasion de rebosser un petit peu ensemble. Puis on se rend compte que finalement, on peut travailler avec tout le monde. Ça se passe assez bien. Donc voilà, c'est une belle aventure. Merci. Merci à toi. Super. Damien, quelque chose à ajouter ? Première prestation ? Non. Ça va ? Tout avait été dit ? Ça avait été résumé un peu ce qu'on s'était dit ? Et puis les deuxièmes, superbe aussi. Alors deux cas très différents. Hein. On va partir sur la deuxième équipe là, des ISP, avec un cas quand même d'hémorragie massive. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez, le traitement de l'hémorragie a été mené tout de suite. Quoi. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais voilà. Contrôle des saignements extériorisé immédiat, même avant l'évaluation, on avait une très très bonne rotation. Voilà. Après, pour les points différents sur la prise en charge, les protocoles, ça, moi, je me tiens à votre disposition pour en discuter. Hein, pourquoi on fait comme ça? Pourquoi chez vous, vous faites comme ça? Voilà. Peut-être que vous avez vu des choses qui sont clairement différentes. Et puis, on est là pour partager et en discuter, quoi, avec plaisir. Voilà. On a eu de très belles choses aussi sur la deuxième équipe, hein, une bonne gestion différente. Voilà. Un petit peu moins performant sur la RCP. Ça, c'était aussi ce qui avait édicté un peu le choix. Et puis voilà, parce que c'est dur aussi de faire un massage correct. Et que moi, j'ai bien du mal quelquefois à le faire et que je suis vite épuisé également. Donc, quand je vous ai vu passer, ça me dit que je vais aller me refoutre au sport. Et puis voilà, quoi. Et puis, les deuxièmes ex-aequo, ils sont pareils, hein, sur la même dynamique. Là, on a eu carrément une prise en charge différente puisqu'on avait une victime consciente au départ. C'est aussi une difficulté quand même, hein, en simulation, avec une personne qui s'est mise en arrêt cardiaque sur une fibrillation ventriculaire, sans doute sur un potentiel problème cardiaque, hein, type infarctus, ou enfin, ce type de fonctionnement. Voilà, on a eu peut-être un défibrillateur qui arrivait un tout petit peu après, c'est ce qui avait fait un peu la différence sur le truc. Sinon, après, on avait de très belles choses. On a même été jusqu'au relevage avec une gestion à trois comme ça. Moi, je les ai trouvés, franchement, d'une efficacité aussi hors pair.
Et là, par contre, on avait des gens qui travaillaient ensemble, je crois, hein, dans ce groupe, sur le troisième, non ? Même pas ? Oui, hein, c'est ça, hein, il y avait des collègues au bureau. Bon, ça a été, ça va ? Ça vous a pas mis fâché ? Je vous ai pas fâché pour le restant de la soirée, ça va ? Bon. En tout cas, félicitations à tous. N'hésitez pas à venir nous voir avec Damien, on se tient à votre entière disposition. Et puis, bah, moi, je vous souhaite une très bonne soirée. Et puis, je laisse la parole à Nicolas, hein, qui va clore la discussion. Non, il a donné le mot de la fin. Merci beaucoup. Il se passe quelque chose chez vous ce soir, non ? Ah non, alors les gars, ah oui. Alors pour les lots, on a un tout petit problème, mais en fait, je vous les annoncerai demain. Parce que vous êtes là demain encore tous. Voilà. Donc vous aurez une annonce des lots demain. J'ai un truc à valider avec mon patron. Mille merci. Et puis, bah, bonne fin de journée, bonne soirée. À demain.